Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour les favoris du mois. Donc avant je faisais top flop, bon il y a plus de top que de flop, donc du coup c'est les favoris du mois. Voilà, donc les favoris du mois, j'ai le cottage, la rhubarbe rose, donc qui tient vraiment sur la peau, qui est vraiment génial, j'adore, donc je vous le conseille. Ensuite j'ai l'Estelle Etilde, donc voilà, c'est un l'ergo organique facial toner, j'ai toujours du mal à dire ce produit, mais c'est pas grave. Voilà, qui est vraiment un produit génial pour tonifier le visage le matin, c'est top. Ensuite le Barbara Gould, toujours l'eau micellaire, donc je vais pas vous tenir la chandelle sur ce produit puisque je vous l'ai déjà présenté. Ensuite le petit Marseillais, donc le petit Marseillais que j'adore, donc c'est le spray soin et brillance qu'on a retrouvé donc dans My Little Box. Donc j'ai également deux produits TJ, donc Bedhead, la gamme, c'est le Sugar Shock, donc c'est comme un spray texture, enfin c'est un spray texturant. Donc ce produit il est très bien, c'est un mélange, enfin je sais pas trop comment vous expliquer, ils sont déjà extrêmement bons, donc ça c'est super. Et en plus de ça, donc il fait un peu l'effet donc du spray mais sans trop non plus être rigide quoi. C'est vraiment un produit génial, je sais pas trop comment vous expliquer, mais voilà. Donc ensuite le Mega Wipe, donc toujours de la gamme Bedhead de Tigi. Donc c'est une mousse au chamallow à la limouve qui est géniale. Donc j'ai déjà pas mal utilisé. Alors, ce produit, moi je l'adore, je suis ultra fan, je l'utilise vraiment très très souvent. Alors, ce produit, je l'utilise principalement quand j'ai des frisettes, donc des petites bouclettes, et que je veux qu'elles soient plus marquées. Donc je les mets et franchement ça me fait des cheveux magnifiques, voilà. Ensuite, coup de cœur également pour Paris Cosmétique, donc PV Cosmétique. Donc ce produit c'est une crème ombre à paupières, donc qui est gris avec des reflets dorés, vraiment très très belle, j'adore. On peut le mettre uniquement tout seul sur la paupière parce que ça fait des reflets magnifiques et c'est très très joli. Donc moi je l'ai mis hier je crois tout seul avec juste un petit coup de crayon et vraiment il est sublime. Ensuite la gamme donc de chez Maybelline, la gamme Pop Stick, donc là c'est 0,80 mais j'ai la teinte 0,40 et 0,60 et j'adore vraiment ces rouges à lèvres. Donc voilà, moi je les adore tous et je peux que vous les conseiller, donc c'est un top. Dans les rouges à lèvres également, donc j'ai toujours le Coralesmi, donc de chez Essence. Alors j'ai pas mis tous les produits que j'ai en coup de cœur, mais celui-là bon, je l'adore, donc voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'il donne. Voilà, donc il est vraiment magnifique quoi, j'adore. Ensuite donc toujours dans les rouges à lèvres, mon gros top en fait, mes favoris, c'est ces rouges à lèvres de chez Sephora. Alors, je vous fais le swap. Je vous fais le swatch. Voilà. Alors, il est vraiment magnifique, très crémeux. Il tient vraiment super longtemps. Et moi, j'adore. Donc, j'ai testé déjà les deux rouges à lèvres. Donc, celui-ci et celui que j'ai un petit peu plus foncé. Les deux sont magnifiques, ils sont neutres. Je peux les porter n'importe quand, n'importe, voilà, c'est vraiment des produits de rêve, j'adore, et en plus ils ont une odeur à tomber. Ensuite j'ai le Garnier Ultra Doux shampoing à la nacre naturelle et extrait de cerise, donc cheveux ternes ou sans éclat. Donc je l'ai utilisé parce que j'en avais plus à ce moment là de shampoing et j'avais envie de changer. Je l'avais en fait dans mes affaires mais je l'avais jamais mis. Et là franchement un miracle, enfin il est super super super. J'adore et je peux que vous le conseiller parce que j'avais des cheveux magnifiques. Donc ensuite le Schwarzkopf Gliss Air Repair, donc c'est pour cheveux extrêmement abîmés ou secs, démêlage, réparation ultra ciblée.
Donc voilà, j'ai vraiment des cheveux aussi magnifiques quand je l'utilise. Moi j'adore, donc voilà, je suis vraiment pas déçue de l'avoir. Donc ensuite j'ai également la BB Crème Garnier, donc médium. Donc c'est pour peau mixte à grasse, donc c'est mon coup de cœur aussi. Parce que même si donc c'est pas ma teinte, parce que normalement je suis claire, il est vraiment génial. L'effet, franchement, sur ma peau, c'est ce qu'il me fallait et je suis ravie. Donc j'utilise toujours avec les trois fées, parce que c'est une poudre éclair, donc du coup ça éclaircit et du coup ça me fait une peau nickel, comme je l'aurais voulu. Donc toujours mes belles à croquer, donc je vais pas vous en parler sans s'étendre, donc voilà. Les belles à croquer, donc peau de pêche et concombre, donc c'est mes favoris du mois. Alors l'eau de crème n'est pas dans les favoris du mois parce que tout simplement je l'utilise pas en ce moment, donc voilà. Ensuite, les vernis Kiko que je m'étais acheté, donc j'en ai pris qu'un, mais je pense à tous. Ils sont tous vraiment géniaux. J'adore vraiment ces vernis. Je peux que vous les conseiller, surtout quand on voit le prix que ça coûte. Ensuite, le Essie Navigator que j'avais troqué. Donc il est vraiment génial aussi celui-là. Moi j'adore ce vert, il est vraiment magnifique. Pourtant, je ne suis pas du tout fan du vert, mais voilà. Ensuite le Show Your Feet, donc le jaune qui sent le citron que j'adore aussi. Donc voilà, il est vraiment superbe. Et voilà, j'ai fait vraiment le tour. Après j'ai également l'Arc-en-Ciel que j'adore. Mais bon, c'est pas non plus un énorme coup de cœur, quoi. Donc ce que j'aime aussi, donc c'est la palette Avoir la pêche, donc la Paraguaya. Que je suis ultra fan puisque je l'utilise quotidiennement, notamment pour faire mes sourcils. Donc voilà. Il y a plusieurs produits que je ne vous ai pas parlé, genre mes nettoyants qui sont dans la salle de bain parce que je les ai déjà montrés le mois dernier. Et voilà. Mes crèmes également pour le corps, enfin mes laits pour le corps que je ne vous ai pas parlé parce que bon, j'en ai déjà parlé le mois dernier. Et je voulais pas les remettre ce mois-ci, mais donc mes crèmes Frutini, mes beurres corporels Frutini, le spray Frutini qui est vraiment très très pratique pour l'été parce qu'il vous laisse vraiment pas de couche sur la peau. C'est comme si vous mettez de l'eau parfumée sur le corps et c'est vraiment nickel. Ça vous hydrate en même temps la peau et en même temps vous n'avez pas crevé de chaud puisque c'est vraiment voilà le pied. Ils sont super bons en plus. Et donc LPG, toujours des produits coup de cœur également. Le My Body Lotion, ça je pourrais vous en parler. J'adore ce lait, j'adore cette lotion, elle est géniale. Je suis ultra fan, comme vous le savez déjà, donc voilà, je vais pas vous en parler éternellement. Voilà tous mes coups de cœur. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez vos favoris du mois, je vous invite à les mettre dans vos commentaires. Me laissez donc un commentaire vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye. If love was a word, I don't understand.